Les sports de nature représentent une part prépondérante des activités pratiquées par les Européens. Et néanmoins, jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de regroupement d'acteurs. Ce sont des activités simples qui ont un haut rendement social et un fort gain au niveau de la santé pour les Européens. Donc il est utile de les faire reconnaître. Le réseau ENOS existe depuis 2 ans, à l'instar du réseau des industries de l'outdoor, qui elles se sont regroupées depuis 2003 avec les 60 plus grosses industries de l'outdoor européen. Alors modestement aujourd'hui, nous sommes une vingtaine d'adhérents. Avec comme objectif pour ENOS de donner de la visibilité au sport de nature en Europe, de développer les bonnes pratiques, échanger, de faire valoir les bénéfices sociaux des activités sport de nature, et puis bien entendu de réussir à développer ces activités un peu partout, puisqu'il y a quand même des difficultés d'accès à certains milieux ou de protection du milieu qui font qu'aujourd'hui, par endroit, les sports de nature peuvent être considérés comme en danger. Pour adhérer, il suffit d'aller sur le site d'ENOS, après avoir validé et accepté une charte dans laquelle on partage un certain nombre d'attitudes, de démarches par rapport à l'environnement, par rapport à l'homme. Et cette charte, vous la retrouvez sur le site d'ENOS.